m'a dit, le rapporteur spécial aux libertés, que juste avant de venir en France, il était au Zimbabwe, d'accord? Il va voir le ministre du Zimbabwe, puisque les ministres au Zimbabwe acceptent de recevoir le rapporteur spécial aux libertés, ce qui n'est pas le cas en France. Il lui fait un certain nombre de recommandations et d'observations sur ce qu'il a à dire au gouvernement du Zimbabwe. Que lui répond le ministre? Qu'avez-vous dit sur la France? Commencez par la France, on verra après parce qu'on fait mieux qu'eux. Ce qui veut dire que la dérive autoritaire qui a lieu dans notre pays, pourquoi est-elle inquiétante? Il y a plus de démocratie au Zimbabwe qu'en France? Mais arrêtez, arrêtez de tout caricaturer. Je vous explique ce que le rapporteur spécial de Liberté vient de dire. Ce que je vous explique, c'est que quand il y a une dérive autoritaire en France, ensuite, vous avez des dizaines et des dizaines de pays qui, dans le monde, se permettent eux aussi de réprimer le peuple en prenant référence sur la France. Quand vous voyez que Hong Kong avait fait la même loi anti-masque que ce que nous avons fait, c'est un problème. Quand on voit un sénateur au Chili qui dit « je réprime le peuple comme c'est fait en France », eh bien c'est un problème, je le dis. Donc oui, nous avons des raisons d'être inquiets. Et quand vous voyez comment les journalistes ont été traités hier, j'espère que vous aussi vous êtes inquiets de comment sont traités les contre-pouvoirs dans ce pays.